aujourd'hui on va faire la cuisine. Ça commence là. Ah ouais, alors, je vais faire un plat de la gastronomie française de très haut niveau. Des pâtes à sauce tomate. Voilà, attendez, regardez là. Pour commencer. Regardez, on a mis de l'eau déjà, ça c'est une bonne chose, c'est assez dur. On allume. Comment on allume la plaque? On allume le feu, regardez, attention. Il faudrait peut-être une allumette. Wow. On va attendre, faire chauffer, capoutine à vous. Voilà, on va attendre que l'eau boue. Non, c'est moi qui mets le sel. Non, non, mais mets-moi du sel et donne-moi du sel et... Vous voyez les effets sur la casserole? Vous voyez l'année prochaine en chimie, enfin, en chimie... Ouais, vous bref, vas-y, mets du sel en chimie. Je vais mettre du sel. Pas trop, hein? Pas trop, hein. Vous me dites stop. Bah, c'est bon, ça, ça suffit. Attends, mais j'aime bien les pâtes. Non, mais c'est bon. Donc, voilà, de l'huile d'olive, Thomas. De l'huile d'olive. Sinon, on aurait pu mettre du gros sel, hein, plutôt. Non, ça suffit. On a pas mis beaucoup d'eau, là, non? J'aime pas le poivre. Si, c'est bien. C'est bien. C'est ça, le gros sel. Alors, je vais en cuisine, émission sur TF1. Je vais en cuisine, j'ignore. Je crois que c'est sur aussi bien. Non, donne-moi l'habitude des télé-réalités sur TF1. Ouais. Faut attendre que l'eau boue. Voilà. Faut attendre. Et après, nous verserons ce magnifique paquet de pâtes. Thomas va faire zoom. Attends, je vais cacher. Pâtes, là. On met du miel aussi, des pâtes au miel. Mais non, c'est du miel. Je crois qu'il faut faire cuire. C'est la sauce tomate. Faut faire cuire ça. Bah après, non. Non. Bah si, faut faire cuire. Un peu au four micro. Faire cuire. Ouais, c'est vite fait. Tu mets dans un bol, tu fais chauffer. Bah alors, on est bien sûr chef étoilé, 2 étoiles. Allez, on sort le bol, allez, on commence. Le bol? Ouais, j'aime bien faire la cuisine. On aurait dû acheter un manuel, la cuisine pour les nuls. Eh bah attendez, j'ai des pâtes, regardez. Attendez, je pose la caméra, de toute façon, on va faire une ellipse. Voilà. Ah bah tiens, attends. Pour les nuls. Voilà. Il court ce truc. On aurait dû faire ça. Salade, déjeuner, grillade, brochette, goûter, pain, croque. Parce que si on sait pas faire cuire des pâtes, on est vraiment des blagues. Là, tiens, on va prendre ça. Vous avez du fromage, vous pouvez mettre du fromage. Alors, machin, n'est-ce pas, faire cuire les spaghettis dans une grande marmite, remplie d'eau bouillante, salée entre 6 à 8 minutes. Attends, ah oui, j'ai pas regardé le temps de cuisson des pâtes. Alors, ouais, bon, bah voilà. La casserole qui devrait bouillir normalement. Voilà, donc mais petite ellipse. Quand même. On fait encore une ellipse parce que voilà, vous en avez rien à foutre que l'eau qui boue. On se retrouve tout à l'heure, allez. Voilà. Donc attends, on se retrouve, allez. Allez, il y a Antoine. Attends, non. Ah merde. Bon, ben, on est à fond, on peut pas plus. Regardez, Antoine va mettre de la sauce tomate dans le bol. Vas-y, je m'échauffe. Suspense. Vas-y, tu t'échauffes. Suspense, hein. On se trace. Va-t-il verser dedans? Il faut le cuire, je pense. Ouais. Attendez, Loan tient. Et là, en ce moment, je suis en train de faire mes pâtes. Plutôt une grande cuillère. T'es intelligent parce que tu fais de la pâte tabac. Ah, ça sent bon, attendez, ça sent bon là. Ah, si, c'est bon. Ah, tiens. Et prends une cuillère pour la clé. Et voilà, on a fini. Ah, du gâchis chez les Ouistiti. Bon, nous, on fait les pâtes et des pasta box. Attends. Pasta box, c'est l'apéro en fait. Voilà, c'est l'apéro, on fait un apéro. Enfin, prenez de la graine sur nous. Alors, en entrée, pâte. Oh, c'est vraiment n'importe quoi ça. Voilà, c'est... Les gens qui vont nous regarder sur internet vont nous prendre pour les fous. Voilà le bol, on va le faire chauffer. Bon, on attend parce qu'il y a ma pointe d'accord qui est cuite. Bah voilà, attends. Quand tu mets, l'eau elle va bientôt bouillir, regardez. Oh, ça chauffe. Ça chauffe. Ça met dans le bol. Voilà. Je suis fort. C'est son bon. C'est à quoi? J'aime le fromage. On va bien bouffer un apéro, hein. Par contre, ça cuit 10 minutes, là, les pâtes, là. Je sais pas. Mais bah, regardez, ça boue. Quand ça boue, ça boue, hein. Quand ça boue, ça boue. Mais quand ça boue, en fait, hein. Ouais, voilà. Ouais. Là, ça boue combien de temps, ça? 30 secondes? Alors, l'eau boue à 30 secondes, ça va suffire. Comme qui dirait, là, ça... Comme dirait monsieur... Et tu m'as resté au micro-ondes pour que ça reste bien au chaud. Bah, tu crois ça, on fait une pointe de nickel alors qu'on est en train de faire cuire des pâtes. Pointe de nickel est là-bas. Ouais, voilà, on prend l'apéro, on surveille l'eau, bah. On vous retrouve après l'apéro. Allez, on surveille l'eau aussi, hein. Ouais. Bon, allez, on se retrouve, là, on est en train de mettre le couvert, vous voyez. Il n'y a qu'une fourchette, par contre. Une fourchette. Antoine cherche les fourchettes, bah attends, vas-y, prends-la, on en mettra d'autres. Ok, c'est parfait. Donc là, on a mis un peu... On est en train de mettre la table, vous voyez, tu vois, il y a l'OL, là, qui fait rien. Voilà, donc regardez, on vous laisse la caméra. Ah non, tu manques quoi, là, Thomas? Mais non.
Ah voilà, j'ai trouvé les verres. Voilà. J'ai trouvé les verres. Ouais. Oh, ça met longtemps à bouillir. Il est au max, là, ton feu, là, bien sûr. Non, non, j'ai arraché. Elle est en train de l'apéro. Mais non, non. Je vais la bouffer. Bon, c'est moi, je sais pas, ta box. Ouais. Mais allez, feu. Voilà, on prend l'apéro, ça filme, hein. Voilà. Bon allez, on annonce officiellement que l'eau bout, voilà. Attends, je mets le minuteur. Ok, bon, alors 10 minutes. Ok. Donc, on va mettre les pattes, regardez, hop. Voilà, on voit l'Oan là. Oh, mais pas tout, mais pas tout. J'ai rien mis là. Non, mais si tu verses comme ça, tu vas tout mettre. Mais si tu mets tout, là, on est dans la merde. Bon, si tu mets comme ça, c'est bien, c'est comme ça. Non, si, si, je te jure, là, on va pas même avoir assez. On va l'avoir là. Le paquet est là. À 3, on avait mangé jusque là. Hein. Oui, bah, on va en avoir. Ah, on va bon, j'annonce, ça va pas finir. Pas grave. Comme ça, vous aurez à manger pour ce soir. Oui, je déconne pas. Vous aurez à manger les petits, vous aurez. Bon, bah voilà, regardez. Hop. Les pâtes cuisent. Faut remuer un peu. Non, c'est bon. Si, parce qu'il y en a, elles sont à la surface, elles vont pas à cuire. Oh, on va en avoir pour 25 là-dedans. Mais non. Comment ça sèche? Alors donc, les pâtes sont presque prêtes, mais... On cherche la passoire. Voilà. Oh, putain. Oh, on est champion du monde. Elle est jaune. On a fait fort aujourd'hui. Mon iPhone. Oh, c'est bien, donc caramel pas. Alors, dans 15 secondes, les pâtes sont prêtes. Non, comptez avec moi à partir de 10. Ta gueule. 10, 9, 8. Ouais, j'ai trouvé. J'ai trouvé. 5. Vas-y, ta gueule. 4, 3, ta gueule. 2, 1. Boum. Voilà, ça y est, c'est fini, on a fini les pâtes. Bon, attendez, je vous montre juste parce que... Attends, non, on vous montrera après. Ouais, on montrera après, vas-y, attends, tu verses. Et ouais, vous plaisir. Non, les bons, c'est moi qui a fait que des pâtes. Eh, ouais, mais t'es un fou. Ouais, il en a fait énormément. Et dit, elle s'est remplie. À 4, on l'a remplie à moitié. Il y en a largement assez. T'es sûr? Attends, vas-y. C'est bon, c'est... Bon, c'est... Bon, alors, attendez, on vous montre, hein. Attends, allez, on sort, on sort dans la casserole. Regardez. Sors la sauce. Voilà. Elle est quand même un peu petite, ta passoire. Non, elle est... Elle est petite. On fait des pâtes dedans, Loan. Elle est 10 fois plus grosse. Oui, mais elle est 2 fois plus grosse. Mais pourquoi tu joues dans la casserole? T'es con ou quoi? Il y a de l'eau dans la casserole. Mais Loan, non. Mais non, mais comme ça. Il n'y a pas d'eau dans la casserole. Oh non. Mais quel boulot. Voilà. C'est toi là qui sert à rien. Il y a de l'eau comme ça. Non, c'est comme ça, mais oui, mais faut que je mette là sur cette tomate. Il faut que je mette là. Non, c'est moi qui la mets. Tu cherches rien. Ouais, bon, bah alors faut la mettre là. Non, faut qu'il mette là sur tout. Et après, faut mélanger. Tu mets là sur tomate et t'as une cuillère en bois. Là. Oui, là. Non, je l'avais. Ouais, là. Donne. Je mets là. Tu mélanges. J'aime bien mélanger. Oh, mais on a fait un plat pour 10 là. Je vais peut-être en aller un peu fort. Rien, j'en ai fait. Vas-y, racle. Quoi? Il fait plus rien. S'en fout. Ah, on s'en fout. Bon allez, maintenant tu mélanges bien. Non, elle est bonne, elle est bonne. Ouais, elle est bonne. C'est bon. On sale peut-être un peu, non? Non, bah on sale dans la sauce. Ouais. T'as du gruyère, Thomas? Gruyère. Peut-être mon cher Hector. Bah, attends, je regarde. Cher Hector. Si on en a, on met directement la gueule. Bon, on en mange à 4h des pâtes, hein. Vous savez quoi? Elle a fait tout ce qu'on a, elle. Non, bah, pas tu l'as bien, je crois. Il n'y a pas de gruyère. Mais regarde. Non, mais on le fait, le gruyère. Ah, bon. Ok, d'accord. Ah, bah, non, c'est bon. Alors, le gruyère. Alors, Thomas va faire du gruyère, les amis. On a fait le frigo blindé. J'avoue, il est dur. Enfin, ça dépend. Des fois, il est dur. Des fois, il est dur. Oh, c'est un frigo américain. Et voilà. C'est un frigo de ricain. Non, mais. C'est un frigo italien. Non, parce que il tenait pas du tout. Mes parents ils voulaient un frigo américain, genre avec des glaçons et tout, ouais. Mais ça tenait, enfin ça tenait pas ici. Mes grands-pères ils venaient dans la rue. Voilà, on va remplir le bol d'eau pour éviter. Donc j'ai quoi là? Hop, on va laisser.
les pâtes, on va ranger ça. On la lave. Oui, la dalle. Ça va bien, merci TPX. Bon, de rien, Lauren. Ah, j'ai jamais vu un engin du futur là comme ça. Un engin du futur. Ouais, ça, j'ai la caméra devant l'ordinateur pour ce que ça fait. Ça va faire des effets. Ça va faire des effets. Ouais, vous voyez, c'est beau, hein. On fait des tests en plus. N'importe quoi. C'est exprès pour faire du gruyère, ça. Enlève la croûte. Oui, non, ouais. Ah, je croyais que c'était le sel, ça. De le sel, le gros sel. Ouais, le sel, ouais. Observez ça, c'est de la grande cuisine. On n'achète pas du gruyère. Prenez de la graine, si vous voulez. On n'achète pas du gruyère tout pourri comme ça, là. Tout pourri, il est bon. Hein. On est des fins admirateurs de Satan. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Où le monde va. D'ailleurs, dans nos pâtes, nous avons mis... De la sauce tomate en boîte. Non, de la sauce tomate, mais spéciale. Comment ça s'appelle? Champignons rares, là. Super cher. C'est des truffes. Voilà, nous avons mis des truffes. Dans la sauce tomate. Deux truffes, 200 euros. Voilà. 200 euros, la pâte, le truc, elle coûte 3 euros. Dans sous, quoi. Je sais que vous nous enviez. La sauce, elle coûte 3 euros chez Auchan. Pour moi, c'était une marque. Regardez, une mouline. Voilà. Thomas a fait du gruyère, elle faisait un peu plus. Ouais, ouais. J'avoue. Ouais. Je peux faire un dire. J'aime pas trop se compter comme ça, mon verre. Nature, moi j'aime pas. Tu peux faire comment? Râpé. Ah. Dans les pâtes. Il est trop dur. Lequel? Celui-là, des fois mes parents ils en achètent. Ouais. Moi, je préfère... Ça doit être charbon râpé. Je préfère râpé. Bon, on va manger. Mais moi c'est pas. En fait celui-là c'est que pour le râpé. On mange pas nature. C'est quoi ton fromage préféré? Préféré. C'est compliqué. J'en ai pas vraiment. Peut-être le comté d'ailleurs. Peut-être le comté, c'est ce que t'es en train de mouliner quoi. Ouais. Peut-être. Toi c'est quoi le fromage préféré? Je n'aime pas le fromage, sauf le gruyère râpé ou le comté râpé, mais je n'aime pas le fromage. Moi j'aime bien. C'est vrai? Je te jure. J'aime bien les petits chèvres. Pourquoi moi, j'aime bien les chèvres dures, super dures, le plus dur possible. C'est charbon ça. Et il y en a qui aiment bien les trucs. Mais genre mon père, il aime bien les tomates. Hein. On filme. Oui, c'est vrai. Alors hier, je suis allée aux toilettes. Ouais, c'est bon toi. Moi j'ai mangé une banane. Il est si fier. Ah voilà. Con mais fier d'être. Je pense que ça devrait être mon cher ami, parce que moi je pense pas que j'en prendrai. Parce que la sauce tomate a l'air très bonne. Tu peux maquiller deux, hein. Ouais, je sais, mais... Mais t'as pas envie. On a du gruyère pour 3 jours, là. Oui, bon, allez. On va vous refroidir. On a fait vraiment tout en quantité exceptionnelle. Hein. XXL. Oh, je le sers. Ok, vas-y, sers. Sers. Attends, ouais. Bon, bah, on coupe, on va manger, là. On dit qu'on vient cher, là, parce que je sais pas trop, en fait. Alors, on s'apprête à manger. Mais Antoine a commencé à manger tout le monde, forcément. Et moi je fais la vaisselle hein. Moi je m'en attendais que tu la feras après. Non parce qu'après ça colle. Donc ça faut que j'ai fait plus déjà. Ouais. Ouais. Bon, une pâte que je vais manger. Bon. Bah peut-être. Donc on vient de finir de manger. Thomas. L'automne mettre dans la vaisselle. Pendant que Lauren fout rien. Voilà. Non, je vais mettre deux assiettes dans la vaisselle, voilà. C'est bien ce que je disais, pour nous, ouais, c'est pour rien. Non. Et toi d'abord, t'es pas dans l'émission, donc t'as pas commenté mes faits et gestes. Ce que j'observe. Vous voyez, nous on rentre. Non, ça c'est... Le... Ah, le... Non, mais c'est pas... Non, on va les mettre là, ces trucs. Bah ouais. Quoi? On va faire un petit montage, on va... Oui, bah on va pas tout mettre. On va limiter les dégâts. L'éponge. Loan il est tout seul par contre. Hein? Lui il a mis de la sauce tomate partout, nous on a mis du gruyère. Ah voilà. Mais Loan elle a pris du gruyère, sinon qu'est-ce que ce serait? Bon allez!
Demi Lovato. Son nouveau single en vente. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai appelé, j'ai bien entendu. Merci, petit Johan.